Non mais elle est en train de... Arrête, Lyra. Mais pourquoi? Mais les voisins... Arrête. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui... Non mais il y a des bulles partout. Arrête. Non mais t'es folle. Les amis, là on est coincés devant chez nous. Enfin, c'est pas qu'on est coincés d'ailleurs, c'est que on est devant chez nous, ouais. Sauf qu'on a perdu les clés. Là, on a perdu toutes nos affaires. En fait, on est allé dans un parc, on voulait aller s'amuser dans un parc avec des amis, sauf qu'à un moment donné, on a posé toutes nos affaires sur un banc et il y a Arrête, non mais tu vas réveiller les voisins là. Oui, c'est vrai. On a posé toutes nos affaires sur un banc et il y a un voleur qui s'est approché du banc, il a pris toutes nos affaires et dedans, il y avait le téléphone de Lily Rose, il y avait nos clés de maison et là du coup, on sonne, ça fait 10 minutes qu'on sonne. Mais il y a personne qui nous répond. Oh non, maintenant la lumière fonctionne plus. Allume-toi. On va se retrouver dans le noir maintenant. Bon, par contre, t'arrêtes les bulles. Ouais. Et là, les amis, on frappe depuis un quart d'heure à notre porte. Il n'y a personne qui répond. Ouais. Normalement, il y a notre père, il y a Peppa Pig dans la maison. Sauf qu'il répond pas. Je trouve qu'on entend bien. Enfin, la porte, elle résonne bien, quoi. Non, mais en même temps, là, il est 3h du matin. Il doit être en train de dormir, le pauvre. Ça tombe, on va le réveiller. Ouais. Bon, allez. Ouvre, Peppa Pig. C'est nous. Attends. Peppa Pig. Ouvre. Peppa Pig. Attends, mais ça bouge même pas la porte. Oh, il y a des insectes. Allez, Peppa Pig, ouf. C'est pas possible. Oh, c'est bon. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa. Oh non, le chat. Non. Le chat. Non. Vite, va rattraper le chat. Passe le pistolet à bulle. Oh, c'est pas possible. Peppa Pig. Peppa Pig. T'es là? Peppa Pig. Non, mais pourquoi tu te caches? Ah, c'est quoi ça? Non, j'ai juste entendu. Il y a la dame blanche. Quoi? Il y a la dame blanche chez nous. C'est une blague, la dame blanche. Il y a la dame blanche chez nous. Non. Mais si, je te jure, je l'ai vue. Elle était dans un coin avec la lumière rouge. Oh non. C'est pour ça que les chats ils se sont enfuis. Ça pue. Oui, ça sent mauvais en plus. Il y a une odeur bizarre chez nous. Ça tombe, c'est la dame blanche. Bon, écoutez les amis, on va rattraper les chats. Eh oh, Minou. Oh, c'est pas possible, regardez. Ils se sont enfuis. Bon, écoutez, les amis, je sais pas trop ce qui se passe chez nous, mais là, visiblement, il y a la dame blanche, pour ceux qui savent pas. On a déjà fait une vidéo sur elle, sur Pink Lily Vidéo. C'est... On rattrape les chats, on vous explique. Allez, c'est bon. On a fait rentrer les chats. Oui. Les amis se sont enfuis chez le voisin, dans le jardin du voisin. Heureusement, la porte, on l'a laissée ouverte. On va pouvoir rentrer chez nous. Bon, par contre, on n'a plus de nouvelles de la dame blanche. Ouais. Là, j'ai réussi à la filmer en vidéo, donc on va vous expliquer. Moi, perso, elle me fait trop peur, vraiment. Lily Rose, regardez, elle garde le pistolet. Ouais, j'ai trop peur parce qu'on sait jamais, là, on lui envoie des bulles et voilà. Arrête, t'en mets dans la maison. Mince. Elle en met partout. Non, oh, ça pue. Je te jure. Ah oui, en plus, devant chez nous, ça sent le poisson pourri. On sait pas ce qui se passe. Du coup, la dame blanche. Je pense que c'est à cause de la dame. Non, mais j'explique. Ok. Non, mais arrête de rigoler, c'est pas drôle. Bon, les amis, on va avancer dans la maison, ouais. On va vous expliquer en même temps. Et c'est bizarre, j'ai essayé d'allumer la lumière et ça marche pas. Donc la dame blanche, c'est une femme qui est habillée tout en blanc, avec des cheveux devant son visage comme ça. Bah, elle est blanche, quoi. C'est une femme qui, un jour, est tombée en panne en voiture et elle a attendu pendant 30-40 ans sur le bord de la route. Et moi, je personne n'est venu. Personne n'est venu. Poisson, parce que en fait, oh, mais elle est tombée arrête, à côté de la mer. Arrête avec tes bêtises de ça sent le poisson. C'est toi qui sens. Arrête. Et du coup, la dame blanche, elle est restée sur le bord de la route pendant 30-40 ans, personne voulait d'elle. À côté de la mer. Et depuis, à chaque fois qu'elle voit passer une voiture, elle suit les gens jusqu'à chez eux. Ouais. Et ça devient un fantôme qui reste chez vous. Là, quoi? On sait pas pourquoi elle est chez nous parce qu'on est. Mais on est chez nous parce qu'on l'a appelée. Non, mais on sait pas pourquoi elle est chez nous. Bon, attends, moi je dois aller aux toilettes là, c'est pas possible. Ah, elle est là. Attends, mais toutes les lumières, allez, à l'étage. Mais pourquoi il y a une lumière rouge ici? Mais je sais pas, vite! C'est pas possible, vite dans ta chambre! C'est pas possible! Il y a même une lumière rouge! Ici ça va, ça marche la lumière! Attends, je ferme ma clé! Elle est là, elle était encore là! Ah, mais quand je vous dis que la dame blanche, c'est pas une bêtise! Mais là, elle est vraiment en train de hanter notre maison là depuis plusieurs jours! C'est la première fois que quelqu'un hante autant de temps notre maison! Mais quelle idée on a eu de l'appeler en même temps! Mais c'est ton idée! C'est vrai que c'était mon idée de l'appeler! Les amis, on a fait une autre vidéo sur Pink Lily Vidéo, que je vous ai expliqué, où j'avais vu sur internet une légende, c'était comment appeler la dame blanche, et du coup, on a fait une expérience. Mais t'as toujours les pires idées! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur moi? Ah! T'as une bête derrière ton dos! Ah non, j'ai une bête sur moi! Ah! Mais ça, c'est à force de traîner dehors. Bon, écoutez,
Oui, dans une autre vidéo, on a appelé la Dame Blanche. On a fait une potion exprès pour l'appeler. On a utilisé une table de Ouija, comme ça c'est pour parler avec les fantômes pour l'appeler. Et c'est vrai que depuis deux jours, on entend des bruits un peu chelous chez nous. Ouais. Bon, écoute, là il faut aller réveiller Peppa Pink et il faut... Tonton, chut. Je pense qu'elle est là. Il faut aller réveiller Peppa Pink. Ouais. Allez, viens. On va aller lui dire... Ah, elle est là. Peppa Pink. Viens. C'est à tout. On est là. Ça va Peppa Pink? Vous êtes là? Oui. Bah oui, on est là, oui. J'aurais pas dû lire cette histoire là sur la Dame Blanche. Ah non mais... Quoi? C'est à cause de toi? Non mais elle est revenue, tu l'entends? J'ai entendu du bruit. En fait, j'ai fait une formule magique. Et au passage, ça faisait 15 minutes qu'on était devant la porte à attendre. Mais moi j'ai peur. Non, j'ai tellement peur que j'ai pas voulu vous ouvrir. Mais pourquoi t'as lu une histoire sur la Dame Blanche? Mais oui, alors... c'est très bien qu'elle peut revenir à tout moment. Bah oui, deux jours on l'a appelée. Elle est venue, là si tu lis une histoire sur elle, c'était sûr qu'elle allait revenir. Mais sans le faire exprès, j'ai prononcé la formule magique qui fait apparaître la Dame Blanche. Il faut que je... Non, je vais pas leur dire parce qu'elle va apparaître là. Pourquoi elle est là? De toute façon, elle est déjà là, hein. T'as pas besoin de... Non, sérieux? Bah oui, elle est dans la maison, tu l'entends pas crier. Attends, faut que je lise la fin d'histoire. Elle est là, elle est là, attends, elle est là. Je vais lire la fin d'histoire, il y a peut-être la solution pour qu'elle s'en aille. Attends. Non, je pense pas. Hein. Non? Bah non, mais si ton livre, ça va pas marcher, n'importe quoi. C'est une histoire avec... Bon, écoutez, la seule manière de la faire partir, j'avais vu un truc sur internet comme ça pour la faire partir, parce que quand j'avais lu la légende de la Dame Blanche, ils ont dit comment la faire apparaître, ils ont aussi expliqué comment la faire disparaître. Ah oui. Comment est-ce, Esteban, dépêche-toi. Pour faire disparaître la Dame Blanche, rien de plus facile. Ouais. Prenez une table de Ouija et posez-lui la question: Dame Blanche, pourquoi es-tu là? Une fois qu'elle a répondu, dites-lui, nous avons compris, maintenant il faut partir et la Dame Blanche partira. Oh, il faut, recommencer la Ouija. Elle est où la table? Bon, je sais où elle est, mais par contre, il faut sortir de la chambre et aller dans la chambre de Lily Rose. Vite fait alors. Allez, bon, viens. Ça fait pas de bruit en alors. En espérant qu'on va pas la croiser sur la route. Allez, dépêche-toi. Les amis, on se dépêche vite, vite et on s'enferme dans la chambre de Lily Rose. Allez, j'espère. Ah non! Elle est encore là. Regardez. Elle arrive. Vite, chut. Ah bon, les amis, voilà. Éteins la lumière. Normalement, il faut éteindre la lumière, ouais, pour faire ça. Elle est où? Ah, c'est bon, elle est là. Bon. Ah, attends. Oh, j'en ai. Ça va? Ah, ça, c'était l'odeur de poisson pourri devant la maison. Ça m'a rendu un peu malade. Ouais. Bon, écoutez, posez la table. Voilà, sur le coq, là. C'est toi qui es en train de colorier des trucs. Bon, allez. Ah oui, au passage, Peppa Pig, on s'est fait voler toutes nos affaires, ou pas? Ouais, mon téléphone, nos portefeuilles, tout. Ouais, c'est pour ça qu'on n'avait pas nos clés. Ouais. Bon, allez, qui vous l'a volé? Bon, allez. Non, on sait pas. Allez, on passe tous notre main dessus, nos mains dessus. Allez. Dame Blanche, pourquoi es-tu là? Dame Blanche, pourquoi es-tu là? Allez, attends. E, c'est quoi ça? M. Là, on vous rappelle, les amis, on bouge pas. On bouge pas, c'est la Dame Blanche. M. En. Ambré. Attends. E, ça fait en B. Non, ambré. En B. Ah. Pour l'instant, ça fait en B. En B. Un N, ça fait en B. En B. Hop, T-E-R. Attends, T-E-R. Quoi? Ça fait embêter. Pour nous embêter. Pour vous embrêter. Je sais pas ce que ça veut dire. On l'a embêté ou c'est qu'on l'a embêté? Mais peut-être qu'en l'invoquant, on l'a embêté. Peut-être qu'en l'appelant, on l'a embêté. Dame Blanche, attends, on repasse. Est-ce que... Vas-y, mais oh, c'est pas un peu, hein. Dame Blanche! Est-ce que on t'a embêté? Embêté! Yes! Oh, yes! Oui. Bon, oui. Pardon. On l'a embêté. Ah non, pas, sorry. À mon avis, on l'a appelé. On l'a appelé, du coup, on l'a embêté. Elle devait être sur un autre projet. On s'excuse. Alors, ah oui, non, attends, on va dire. Dame Blanche, est-ce que tu acceptes nos excuses? Please. Est-ce que tu acceptes nos excuses? Non. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Non, bon, mais écoute, s'il te plaît. Pardon, attends. Non, mais on va s'excuser. Non, mais ce qui était écrit sur internet, c'est une fois que vous savez pourquoi elle est là, il suffit de lui demander de partir et normalement elle part. Oui, bah là, elle part pas, hein. Si. Dame Blanche, allez, vas-y, alors, on recommence. Peux-tu partir? Dame Blanche de la maison de Pink Lily. On te demande de partir. Et veux-tu partir? Oui. Allez. Yes. Oh, ah, oui, bon. Merci. Elle veut bien partir. Bon, merci, franchement, ça nous libère un peu. Ouais, bon, normalement, alors elle est pas là. Non, elle est plus là, quoi. Normalement, elle. Ah, stop.
stop. Non, ça marche pas, toi. Attends, mais la dernière fois en criant, elle était partie. Non, elle est là, elle est encore là. Bon, pourquoi elle est pas partie? Non, mais il faut lui demander ou quoi? Non, mais moi j'en ai marre. Ok, je j'en ai marre de faire ça. Moi, dans les yeux. Ça demande trop longtemps. Elle est là ou pas? Dablon! Tu vas réveiller là. Elle est encore là ou pas? Bon, je pense que ça tombe, elle est partie. Ça tombe, c'était juste le temps qu'elle parte. Dame Blanche, ah, oui. T'es là? Elle est en train de partir. On l'entend, mais on la voit plus. Ouais. Elle crie moins qu'avant. Elle pleure? On dirait qu'elle pleure. Oh non, attends. Dame Blanche, tu pleures? Dame Blanche! Attends, si, faut aller la voir, là, ça tombe, elle est triste. Ça tombe en l'embêtant. Ah. Pleure. Ça va? Tu veux des mouchoirs? Elle veut des mouchoirs. Elle me fait un peu de peine. Oh, mais oui, la pauvre, on l'a embêtée. Elle devait être en train de... Elle cherchait des gens à hanter sur le bord de la route et... Tiens, tu veux des mouchoirs? Un seul, et ça coûte cher, les mouchoirs. Oh, tu veux des pâtes aussi? Non, des pâtes. Mais si, c'est des pâtes 3 minutes. Ah ouais, bah... Pour chez elle. Et tu veux des biscuits? Et ouais. Un petit cadeau pour la route. Ouais, allez, des biscuits. Des biscuits naturi plus. Allez, voilà, tiens. Des biscuits bio, ça, personne les mange, donc tiens. Allez, c'est parti. Tu veux ça? Bah, c'est bon, tu peux rentrer chez toi maintenant. Et bah, allez. La dame blanche est moderne. Bah, la dame blanche aime les pâtes et les biscuits. Ouais, bon, allez, c'est bon, elle est partie. Oui. Hein. Elle part. Hein. On lui a donné des pâtes, elle est contente. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bon, on lui a donné des pâtes et des biscuits. Comment ça, des pâtes et des biscuits? Bah, on lui a donné des pâtes et des biscuits, elle est partie. Elle est. La blanche, ça mange. À mon avis, elle devait avoir faim. Elle devait avoir faim. Bon, en même temps, personne la nourrit sur la route. Bah, oui, personne lui donne à manger. Elle doit se nourrir d'herbe et de feuilles. T'es sûr que c'est quelqu'un qui s'est pas déguisé, Stéphane? Non, non, c'est une dame blanche. Vu le bruit. C'est un fantôme, normalement, une dame blanche. Bon, allez. Non, les amis, la dame blanche est partie, on va pouvoir recommencer notre vie normale. Enfin normale, on s'est quand même fait voler nos affaires au parc. Mais bon, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Ouais. Et surtout, allez voir, sur une vidéo qui apparaît. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, ciao.